Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette nouvelle vidéo qui est en fait la première vidéo de l'année 2022, je souhaitais vous souhaiter une très bonne année 2022, qu'elle soit pleine de surprises, de réjouissances, qu'elle soit pleine, voilà, de bonnes choses, de choses positives. On croise les doigts, je sais qu'on est tous un peu dans le même mood comme ça, à se souhaiter le meilleur pour cette année après ces deux années qui ont été compliquées. Voilà, j'espère que tout ira bien pour vous. En tout cas, moi je le sens bien, j'ai fait mon tirage oracle pour l'année. C'était plutôt pas mal, moi je le sens bien. Cette semaine, je vous retrouve pour la première vidéo de l'année avec la vidéo qui m'a lancée, on va dire, sur YouTube il y a un an. C'est la vidéo de mon bilan, mon top 5 des patrons de l'année 2021. Alors l'année dernière, c'est la toute première vidéo couture que j'ai postée et elle avait un petit peu, elle avait pas buzzé, mais elle avait fait un petit peu plus de vues que certaines de mes vidéos et ça m'avait fait vraiment très plaisir. Et je souhaitais vraiment reproduire cette vidéo là puisque ça me fait vraiment, voilà, ça me fait vraiment plaisir et ça me fait du bien de vous faire un peu ce bilan de l'année 2021. Donc en gros, l'idée c'est de vous présenter mes 5 patrons favoris, mon top 5 entre guillemets, des patrons que j'ai adoré coudre cette année. Je vais vous parler un petit peu de, voilà, de ce que j'ai cousu récemment, moins récemment. La plupart des patrons, vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne, je vous les ai déjà présentés dans des bilans couture. Ça s'invente pas, c'est des patrons que j'ai adorés, donc que je vous ai déjà présentés. Mais voilà, je me permets de réitérer un peu le truc et de vous en reparler aujourd'hui, histoire de vraiment accentuer sur les patrons que j'ai vraiment aimés cette année. Alors je vais commencer par juste parler de ce que je porte, puisque je l'adore. C'est ma petite blouse Carly de la Maison Victor. Je l'ai cousue il y a quelques semaines, c'est l'un des derniers vêtements que je me suis cousue. Et je l'ai faite dans une nappe de seconde main. Alors elle est, autant le modèle est déjà un peu osé avec ses grosses manches bouffantes, avec cette entournure très basse, mais en plus de ça, avec ce motif hyper fleuri, voilà. On aime ou on n'aime pas, moi j'avoue que je l'adore, donc voilà, je tenais vraiment à la porter aujourd'hui pour cette vidéo. Alors le premier patron dont je vais vous parler, en fait je vous en ai déjà parlé dans le bilan de l'année 2020 puisque c'était vraiment un coup de cœur et ça reste encore un coup de cœur et je me suis dit est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas, voilà, j'ai beaucoup hésité. Il s'agit du pantalon Cherry de Mèche Delmas. C'est un patron que j'ai cousu deux fois. À vrai dire je l'ai cousu un peu plus que ça puisque j'avais commencé à faire des shorts avec et puis finalement en fait je suis jamais allée au bout de ces vêtements là, j'aimais plus le tissu donc je les ai pas portés. Alors ce patron c'est un patron de pantalon, c'est donc un pantalon droit qui est vraiment hyper facile à coudre. C'est un patron que vous pouvez retrouver sur le site de Makerist pour le prix de, je crois, 6, 9 ou 11 euros, je sais plus, c'est dans ces eaux là. C'est moins de 15 euros, ça c'est sûr. C'est un patron que vous pouvez acheter sous format PDF et c'est un patron que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très simple, parce que le rendu est vraiment chouette, c'est vraiment un pantalon très droit, donc c'est voilà, une coupe qui est très à la mode, qui est vraiment dans l'air du temps, qu'on peut porter autant avec des baskets qu'avec une petite paire de talons, voilà, c'est très sympa, des petites bottines en automne, des petites sandales à talons, pourquoi pas en été, voire même carrément des sandales ou même des petits mocassins, c'est très joli avec des baskets pour aller au travail ou pour aller à l'école, ça fonctionne très très bien. Là c'est un modèle que j'ai cousu dans un tissu, c'est un polyester je crois, non extensible, où il doit y avoir 1 ou 2% d'élastane, genre vraiment rien du tout. Et j'en avais déjà fait une version lila que je vous ai présentée dans mon bilan de l'année 2020. Et là cette version beige, couleur un peu sable, que j'ai beaucoup 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 portée à la rentrée et que je vais continuer de porter je pense au printemps. Voilà, c'est une version que j'ai voilà, adorée, énormément portée. Et j'aime beaucoup ce patron aussi pour autre chose, à savoir qu'il y a une technique en fait de pose de fermeture. Pose de braguette qui est vraiment très cool, qui est très simple et en fait qui facilite vraiment la couture de ce pantalon. Donc il est, bah, il est easy de A à Z, il est beau, il taille bien, enfin moi j'aime beaucoup. Donc je vous le recommande et c'est vraiment encore une fois, encore pour la deuxième année consécutive, un coup de cœur. Baby, before you love me in, yeah, before you love me in, love me in, baby. I've been working on my own way.
Le deuxième patron dont j'aimerais vous parler, encore une fois, je vous l'ai déjà présenté, il s'agit, et là comme ça ça rendra rien, de la robe paresse d'Atelier Maelstrom. C'est une robe que j'ai adorée, mais c'est surtout un patron que j'ai adoré et que j'ai cousu plusieurs fois, sous plein de versions. Je vais vous les présenter, c'est marrant parce que je vous les ai jamais montrées en vidéo parce que c'est des tops en fait, des versions que j'ai cousues en août et j'ai pas fait de bilan couture, ou alors en septembre et j'ai pas fait de bilan couture depuis, donc ça fait très longtemps et en fait là c'est clairement plus le moment de vous montrer ce genre de patron dans un bilan couture parce que vraiment c'est pas de saison, mais c'est pas grave. Donc la première version que j'ai cousue c'est celle-ci. Je vous l'ai déjà montré dans un vlog et puis dans un bilan couture, donc vraiment on commence à la connaître. Donc c'est un patron en fait de robe slash top, puisqu'on peut faire les deux, avec voilà, une seule épaule, donc one shoulder, et manche courte, débardeur presque, et avec donc deux volants comme ça qui se superposent, qui donnent ce côté un peu romanesque que je trouve très joli, et ensuite une coupe droite. C'est vraiment un patron que j'aime beaucoup pour plein de raisons. D'abord parce que déjà le patron est super bien fichu, je trouve qu'il taille bien en termes de voilà, de patron en lui-même, ça c'était vraiment pas mal. L'assemblage est vraiment très simple, je crois qu'il n'y a pas de découpe à faire entre les feuilles de l'assemblage du patron PDF A4, donc vraiment un bonheur. On peut imprimer uniquement sa taille, ce qui veut dire que moi j'ai pas Adobe Reader sur mon ordinateur, donc en fait je peux pas imprimer uniquement ma taille sur les patrons, chose qu'on peut faire quand on a Adobe je crois, et en fait là avec Atelier Maelstrom, avec ce patron de la robe paresse, vous avez en fait chaque taille détaillée, vous imprimez seulement le PDF de votre taille, et donc quand vous découpez il n'y a pas 1000 lignes à suivre, il y a une ligne qui est la vôtre, et donc ça rend le truc hyper easy, donc rien que pour ça j'adore. Le rendu, le tombé est très sympa, le côté voilà hyper théâtral avec le volant, moi j'aime beaucoup, et puis c'est des coutures anglaises, et rien que pour ça moi je me dis, enfin c'est incroyable, des patrons avec des coutures anglaises qui sont assez faciles, assez accessibles, et pour débutants bah j'en ai pas vu des masses, d'ailleurs j'en ai vu aucun, c'est vraiment le seul que je connais. Je connais pas tous les patrons qui existent, on est bien d'accord, mais celui-là est vraiment très simple et il est vraiment cool quoi. Donc pour cette version là je l'avais faite dans un tissu de seconde main qu'on m'avait donné, je m'étais un peu renseignée, je crois que c'est des essuie-mains, voilà, des essuie-mains, des rouleaux d'essuie-mains qu'on a genre dans les stations service. Voilà, pourquoi pas. J'aime beaucoup ce tissu, donc on m'avait filé ce tissu là et j'avais vraiment adoré le coudre et j'adore le porter. Donc trop hâte qu'on soit en été et que je puisse remettre du orange pétant et surtout des petites robes courtes parce que là c'est pas d'actualité. Du coup j'en ai cousu deux autres versions, une première version comme ceci, alors là c'est la version top avec un seul volant, c'est une version que j'ai cousue dans un tissu satiné polyester, je crois qu'il se porte comme ça d'ailleurs, je l'avais fait de l'autre côté, je sais pas pourquoi, tissu satiné polyester que j'avais dans mon stock, je l'avais acheté de seconde main. Tout simple, et en fait j'en avais un tout petit métrage et du coup je me disais mince, qu'est-ce que je peux faire dedans, et en fait si je respectais pas le droit fil, c'est là aussi le plot twist, sans respecter le droit fil normalement je pouvais faire passer donc le top paresse, la version top un peu raccourcie avec un seul volant, entre autres le plus petit volant. Donc j'ai mamaillé, j'ai fait mon truc, alors j'ai galéré à le coudre parce que voilà, le tissu faisait que de bouger parce que j'étais pas du tout dans le droit fil, donc c'était l'enfer. En plus de ça c'est du polyester un peu satiné, donc ça glisse, donc c'est l'enfer. Et puis j'ai doublé avec un coton tout simple, coton rose, voilà, juste pour que le tissu soit bien, que ce soit nickel, quoi, qu'il n'y ait pas de soucis. Et donc du coup en faisant une doublure j'ai pu emprisonner le petit élastique de telle sorte à ce qu'il soit pas visible, puisque normalement dans la version classique c'est le premier volant qui vient emprisonner l'élastique et donc qui fait qu'il est pas visible. Donc là avec ma doublure j'ai pu m'amailler et ça s'est très bien passé. Et l'autre version que j'ai faite, que j'ai un petit peu plus portée parce qu'elle est un peu plus clean, c'est une version noire toute simple comme ça, donc une version top. Et je l'aime beaucoup parce que c'est sobre, parce que c'est un peu classe, parce que ça rend rien de vous montrer comme ça. Je crois qu'il y a des traces de déo dessus. Oupsie. Je l'aime beaucoup parce que voilà, vraiment c'est le genre de petit top un peu classe, un peu simple, qu'on peut mettre juste avec un pantalon et presque une paire de petites sandales à talons et aller manger au resto avec. Moi c'est le genre de haut que je peux très bien porter voilà, pour aller à l'école dans la période estivale. Je rappelle, je suis étudiante aux Beaux-Arts, donc on n'est pas trop bridé en termes de look, en termes de style, donc je peux faire un peu ce que je veux et ce genre de top ça passerait très bien. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et alors celui-ci, pour l'anecdote, je l'ai cousu dans un reste de rideau. Quand on a emménagé avec mon copain, en gros on a acheté des rideaux et ils étaient trop courts, donc on a racheté les mêmes rideaux mais en noir, et j'ai recousu en fait une bande de rideaux en bas des rideaux existants. J'essaierai de vous mettre peut-être une photo si j'en ai, et du coup il me restait un bout de rideau et donc je l'ai utilisé pour faire ça, et ça va très bien. Bon, c'est du polyester, c'est pas dingue, je transpire un peu mais ça le fait, c'est cool, et c'était assez facile à coudre. Before you let me in, yeah, before you let me in,
Je poursuis ce bilan de l'année 2021, ce top 5 patrons. Alors je vous ai dit top 5 mais je les ai pas du tout classés, c'est vraiment juste mes 5 patrons favoris. Voilà, c'est des patrons soit que j'ai beaucoup cousu, soit que j'ai vraiment adoré, voilà. Mais souvent quand je les adore, je les coupe pas mal, je les refais plusieurs fois. Et donc parmi les choses que j'ai beaucoup cousues, il y a cette robe qui est donc le modèle Laurine de chez Clématis Pattern. C'est sans conteste mon modèle de robe préféré, mais tout modèle confondu, c'est la seule robe d'ailleurs que je vous présente, non il y avait la robe paresse, mais voilà, tout modèle confondu, toute saison confondue, c'est ma robe préférée. Genre vraiment c'est la robe que j'adore porter, c'est la robe que je préfère parce qu'elle est belle, parce qu'elle fit bien, parce que le décolleté est incroyable, parce que voilà les fronces sous la poitrine sont vraiment très jolies, parce que la taille est belle, parce que le dos est en un seul morceau avec juste des pinces, donc ça fait un tombé, une chute de rein magnifique, parce que les manches sont sympas, la tête de manche avec ses plis est incroyable, le petit zip voilà il tombe super bien, enfin tout fait que ça fit bien. Et puis voilà, puis le bas de la robe est assez simple, moi j'avais repatronné en fait le bas pour qu'il n'y ait pas de volant froncé mais juste un volant simple. Le système de parementure sur le devant avec une espèce de repli, c'est hyper facile, ça fonctionne bien, c'est vraiment enfin juste c'est easy, c'est beau, ça tombe bien, c'est simple, c'est cool, enfin c'est vraiment un patron que j'adore. Alors c'est un patron qui existe avec plein de déclinaisons, vous avez des versions doublées, des versions non doublées, des versions avec des manches plus ou moins courtes, une version avec une espèce de fronce sur le côté avec un espèce de drapé, voilà plein de versions possibles. Moi j'en ai fait surtout une qui est la version avec le bas classique, donc sans le drapé, avec les manches plutôt courtes que je modifie un peu selon ma sauce. Et voilà, et en plus j'ai repatronné comme je vous l'ai dit le volant pour qu'il soit assez simple. Et en fait c'est une robe que j'ai adorée, je l'ai cousue 4 fois en tout. J'ai fait une première version bleu marine dans un tissu voilà coton, c'est en gros à peu près ma toile. J'ai fait cette version dans un vieux rideau que j'ai acheté, enfin dans un rideau que j'ai acheté de seconde main, que j'aime beaucoup avec ces grosses fleurs comme ça. Alors là sur le cintre ça rend pas bien mais alors vraiment porter c'est une tuerie. J'en ai fait une troisième version dans un tissu, dans une maille polyester que j'ai acheté de seconde main que je vous présenterai dans le prochain bilan couture, donc restez connectés. Et puis j'ai cousu une dernière version que vous avez vue sur ma chaîne si vous me suivez un petit peu, la version Gatsby pour le nouvel an, donc voilà cette robe que j'adore, en tissu, je crois que c'est un satin polyester, et voilà, donc c'est juste quand j'ai besoin d'un modèle de robe, c'est souvent vers ce modèle là que je me tourne, que ce soit pour la vie de tous les jours ou pour les occasions comme le nouvel an, c'est... Enfin, c'était un bonheur à coudre, c'était un bonheur à porter, ma robe a fait sensation je peux vous le dire, et donc j'ai vraiment adoré, donc c'est... Je vais la faire et la refaire cette robe là, c'est sûr, je vais encore la recoudre en 2022 parce que je l'aime, parce qu'elle est belle, parce qu'elle va bien. Alors normalement elle n'est pas censée être cousable entre guillemets dans un tissu extensible, et j'ai voulu jouer, j'ai voulu tenter le pari. Et donc j'ai pas eu besoin de coudre de zip, je peux l'enfiler comme ça, donc ça la rend ultra confortable. Et surtout j'ai pu voilà, la fitter vraiment bien, et donc elle est, c'est ma robe préférée, enfin je l'adore, je sais pas, c'est un amour inconditionnel. Si je devais faire un top 5 quand même avec un classement, ce serait clairement cette robe là en première, mon patron favori de l'année, ça c'est sûr et certain. Je continue avec un patron que je vous ai déjà présenté dans un bilan couture, que je porte pas mal en vidéo et que j'adore. Il s'agit de ma combinaison Tulia de Fibre Mood. C'est vraiment une combinaison que j'adore et dont je suis extrêmement fière, parce que c'est une combinaison en fait, c'est ma première combinaison, c'est la première combinaison que j'ai cousue, je l'ai faite dans une taille M il me semble, et je l'aime d'amour, elle est cousue dans un tissu, un lin coton de seconde main. Juste elle est sentimentale cette combinaison là, autant le modèle que le patron. Donc le patron je l'ai cousu deux fois, j'ai deux modèles différents que je vous ai déjà présentés. Un modèle donc sable que je porte beaucoup, qui est très facile à mettre. L'autre qui est un peu plus excentrique, hein, c'est une combinaison dans un coton aubergine vraiment très flashy mais que j'aime beaucoup. Et en fait c'est un modèle que j'aime beaucoup. Alors c'est pas le modèle le plus facile à coudre, je vous le déconseille si vous débutez la couture, ou alors accrochez-vous bien et prenez vraiment votre temps, mais c'est une combinaison en fait qui est un peu technique avec son col tailleur qui est d'ailleurs hyper mal réalisé ici, mais c'est pas grave, il y a plein de plis, il y a plein de voilà cette espèce de plis à réaliser qui est pas évident. Mais globalement elle rend bien, elle est belle, je vais baisser mon bras parce que j'ai mal, mais elle est super en fait, cette combinaison je l'adore, et en fait je l'aime beaucoup parce que vraiment c'était la première combinaison que j'ai cousue
Donc un petit côté un peu fierté, sentimentale, tout ça, surtout vu le niveau de difficulté de la combinaison, donc j'étais très contente. Si vous souhaitez coudre cette combinaison, vous pouvez la retrouver soit dans le numéro, alors dans un magazine Fibre Mood, mais alors je ne sais plus du tout quel numéro, soit directement sur le site de Fibre Mood. Moi c'est ce que j'ai fait, j'avais acheté uniquement le patron, et voilà, elle est super, elle est belle, et elle est cool, et il y a plein de tailles, et... Vraiment je l'adore, un peu c'était d'inspiration aussi 80s comme ça que je trouve très cool. Donc ça c'est un patron que je vous recommande, je crois qu'il coûte 7€, 8€, il est vraiment pas cher. Si vous achetez en plus le magazine, ça c'est l'avantage de Fibre Mood, vous avez plein de patrons. D'ailleurs j'en profite pour faire une parenthèse aussi pour dire que en 2021 j'ai commencé à coudre dans des livres, dans des magazines. Et je vous ai pas présenté de... Voilà, à part cette blouse la Maison Victor, je vous ai pas présenté de modèle dans des magazines, sauf le modèle qui arrive juste après. Mais ça, ça a été vraiment aussi une grande fierté pour moi, ça a été de commencer à découvrir en fait la couture via des patrons dans des magazines ou dans des livres. Et entre autres, j'ai appris à décalquer des patrons, donc je me suis acheté voilà, les règles japonaises, le bec de perroquet, etc. J'ai acheté de la toile, enfin bref, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour décalquer des patrons. Et je me suis vraiment découverte une grande passion pour le décalquage de patrons, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, ça c'est. C'était aussi un gros plot twist on va dire de mon année 2021 et j'en suis très fière. C'est vrai que ça a été une année couture assez intense et une année dans laquelle j'ai énormément progressé, j'ai vraiment beaucoup appris et je suis très fière de ça. Donc voilà, et merci d'ailleurs de suivre mes progrès en couture et mon avancée couture puisqu'on a quand même pas mal filmé, pas mal cousu ensemble cette année. Le dernier patron que je vous présente, c'est un peu, voilà, j'avais envie de le mettre en coup de cœur parce que je viens de le terminer et que... parce que je viens de terminer cette jupe et que je l'aime beaucoup. Il s'agit de la jupe Hortense de Charles & Plo. C'est toujours galère hein, de vous montrer les modèles comme ça dans l'écran. C'est une petite jupe droite, je sais pas si on peut appeler ça, bon, une petite jupe trapèze avec une grosse ceinture à la taille, avec voilà ce zip à l'arrière. Alors le mien est noir parce que j'en avais pas de rouge et ça me va très bien. La couture au centre, voilà le dos en deux parties, ces petites pinces, enfin voilà, la petite jupe Hortense. J'ai fait une petite parementure, enfin une ceinture parementure à l'intérieur qui est contrastante parce que j'avais plus assez de tissu donc j'ai mis du rose et je trouve ça hyper joli. C'est donc une jupe qui est issue du livre de Charles & Plo, Ma garde-robe bohème chic. Alors j'aurais pu vous présenter bien d'autres patrons de ce livre là puisque j'ai cousu aussi la blouse rose que je vous avais présentée en bilan couture et le petit crop top Marguerite que je vous ai également présenté en bilan couture, mais c'est pas forcément des patrons que je vous recommande parce qu'il y a pas mal d'erreurs de patronage, parce que c'est des modèles qui sont un peu controversés, parce que même si je les ai aimés, même si je les porte, c'est pas mes coups de cœur. Par contre ce patron de jupe je le trouve vraiment très fun. Je trouve vraiment très cool, c'est une jupe qui est assez simple, mais je sais pas, j'ai beaucoup aimé la coudre, c'était assez facile. Je trouve que la couture en fait souvent on a au niveau des jupes on a un zip sur le côté, sur la couture côté, là le zip est dans le dos et vous avez un dos en deux parties, et je sais pas, j'avais jamais cousu ça et je trouve ça hyper joli, enfin j'aime beaucoup, donc ça m'a vraiment beaucoup plu et rien que pour ça j'ai envie de, voilà, j'ai envie de vous présenter cette jupe là. Alors elle fait partie donc du livre Ma garde-robe bohème chic que je dois avoir par là. Donc elle est issue de ce livre, Ma garde-robe bohème chic, et vous avez donc plein de versions. Vous pouvez aussi la porter en ensemble avec une petite veste, je crois que c'est la veste, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, en tout cas moi j'aime beaucoup et c'est vraiment, voilà, c'est cool. J'aime beaucoup ce livre, je vous en ai déjà parlé, c'est un livre que je vous recommande si vous avez déjà l'habitude de coudre. Si vous venez de commencer la couture, passez votre chemin parce que déjà il faut décalquer les patrons, c'est un peu chiant, mais voilà, c'est un peu compliqué, d'autant plus qu'il n'est pas super bien expliqué. C'est un livre qui est quand même assez rudimentaire en termes d'instructions de montage, d'instructions de couture, donc pas évident, et voilà. Mais sinon il y a quelques modèles qui sont très sympas, dont la petite jupe Hortense que moi j'ai adoré, qui fait partie du coup de mon top 5 patrons de l'année 2021. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je crois qu'elle aura été un petit peu plus courte que d'habitude pour un bilan couture. En tout cas moi j'ai adoré vous parler de mes 5 patrons favoris. Vraiment quand je les regarde je me dis j'ai adoré les coudre et je ferai peut-être encore des versions de ces patrons là, hein, que ce soit pour la robe Laurine ou pour le petit top paresse.
Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous remercier d'être aussi nombreux sur cette chaîne. Merci beaucoup de me suivre, merci de commenter les vidéos, merci de vous abonner, merci voilà, de me partager tout votre amour et votre soutien. J'ai la chance d'avoir, j'allais dire une communauté, mais que les personnes qui me suivent ou qui regardent mes vidéos soient assez bienveillantes et ça me fait vraiment vraiment plaisir. Merci à vous d'être ici. Il faut savoir qu'il y a un an, je postais ma première vidéo couture entre guillemets et où je vous présentais donc mes vêtements favoris de l'année 2020. Je crois que j'en avais déjà fait 5 et je pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Je pensais pas que je continuerais à faire des vidéos. Je pensais pas que voilà, ça me prendrait autant de temps et que ce serait aussi cool. Donc merci d'être ici. Sachez que j'espère avoir plus de temps pour coudre et pour vous faire des vidéos cette année. C'est très compliqué pour moi puisque je suis dans ma dernière année de master, donc on va dire que YouTube et le master, voilà. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux, de me suivre, de regarder cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Sachez que j'essaye de vous lire, je vous lis tous et j'essaye de tous vous répondre, c'est un peu compliqué mais voilà. Et ça me fait vraiment toujours très plaisir de vous lire, c'est vraiment un truc hyper satisfaisant quand une vidéo sort, d'aller voir les commentaires et de vous répondre et d'envoyer plein d'amour, comme ça je trouve ça très cool. Donc merci à vous, n'hésitez pas donc à commenter la vidéo, n'hésitez pas aussi, je prévois de sortir une vidéo très prochainement. J'ai été taguée en fait par Célia de la chaîne Célia Karenine. Je vous remets son pseudo et sa chaîne en barre d'infos. Elle est donc youtubeuse couture comme moi. C'est une fille super. Voilà, je vous conseille d'aller la suivre parce qu'elle a un contenu de dingue et elle est très belle et elle est super. Et donc elle m'a taguée sur une vidéo mieux me connaître et j'aimerais vous faire effectivement ce petit tag pour me présenter un peu plus à vous et voilà, faire un peu cette vidéo là, ça pourrait être sympa. Donc si vous avez des questions supplémentaires à me poser en plus du tag, je vous invite à les poser en commentaire, que ce soit autour de la chaîne YouTube, de je sais pas, il y a des questions sur mon pseudo, sur la couture, sur mon parcours en couture ou sur autre chose, même sur mes études, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre dans la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous souhaite encore une très bonne année. De plus en plus nombreux. Je viens de me faire un coup de flip, il y a une bougie sur mon bureau et j'ai posé les vêtements, je les ai jetés comme ça sur le bureau, mais en fait ils étaient sur la bougie, donc pas de crame mais on était à ça quoi, et c'est mes vêtements favoris.